Là, je pars du coup quatrième, alors que j'étais censé partir cinquième, mais Yeboles a quitté le salon, donc je gagne une place, tout simplement. Ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième ligne, donc. On va tâcher de faire un podium, au moins. En espérant que je me fasse pas crasher. Ça, évidemment, ça reste à voir. Bon bah. Ça va partir. Alors, je vais tout donner pour gagner, mais quatrième, c'est un peu loin quand même. Je sais pas, on va voir. On va tâcher de bien faire un bon départ déjà. Oula. Ah putain, fils de pute. Alors toi mon gars. Il s'est remis devant moi pour me couper l'élan. Ah j'aime pas quand on fait ça. Ah ça va se payer ça. La vengeance va être terrible. Hein. L'Irlandais, t'inquiète, je t'ai retenu toi. Putain, il est passé en tête, c'est ton con en plus. Oh, ça glisse, au secours. Allez, l'Ukrainien là. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ça va mal finir ça. Ça va très très mal finir. Oh, il m'est passé. Il fait ça. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il a un problème. Ok, d'accord. Ah bah alors là. Ouais, je vais m'occuper de l'Irlandais. Laisse-moi faire là. Tu te souviens de moi? Foiré là. Tu te souviens? Allez, va jouer là. Bon là, il va peut-être tenter de se venger du coup. Pff. Ah, j'en étais sûr. Oh, je l'ai éclaté, magnifique. Oh là là, c'est vraiment du Destruction Derby, ces courses, c'est incroyable. Ah, oh, je suis content de l'avoir éclaté là. Je vais mettre le replay sur Twitch après. Enfin, sur Tip Stories. Ah, vous avez vu ça, comment je l'ai éclaté ce bâtard d'Irlandais? C'était magnifique. Ah, la vengeance là. Elle est magistrale. Bon, c'est pas le tout, j'ai une course à gagner, moi. Oh là, ça sent la peine, là, par contre. L'anglais va avoir une peine. Oh, derrière. Ouf, comment il a poussé dans le mur. Oh là là, c'est tellement sale. Alors, si vous voulez du fair play, regardez pas ces courses. Hein. Clairement.
Par contre, quand j'ai éclaté l'Irlandais, heureusement, du coup, que... Attention, il y a l'Allemand, là. Heureusement qu'il est passé en transport, hein. Sinon, j'étais mort avec lui. Bon, c'est pas gagné, quand même, cette course, hein, parce que là, j'ai l'Allemand au cul. Oh là là. Ça va être dur, dur. J'ai Sébastien Vettel aux fesses. Il a l'air assez fair play, bon ça. Pourtant je l'ai un peu malmené, mais. Bon après il va peut-être se jeter dans l'épingle, hein, je sais pas. Il a pas l'air trop mauvais joueur. Pour l'instant du moins. Il attend peut-être le bon moment. Ouais vous voyez, il essaie pas de me pousser rien. Il pourrait très bien le faire, il le fait pas. C'est bien, c'est bien. Oh le délire. Oh là, il me pousse là par contre. Mais ça marche pas. Il a juste perdu plus du temps plus qu'autre chose en fait. Ouais. Le problème c'est que j'arrive pas à me détacher parce qu'ils ont l'aspi derrière. Moi j'ai pas d'aspi forcément. Ah, peut-être qu'il va se jeter derrière là. Ça va. Pénalité derrière. Ah, j'ai combien, 4 dixièmes d'avance? Ça va peut-être pas suffire. Ah, je prends de l'avance, c'est bien. Pour le rouge, il va se jeter, c'est sûr. Et ça va gagner. Incroyable. Yes. Oh, derrière. Ça gagne. Magnifique. Doublé français, regardez. Incroyable. J'espère que ça sera ça demain à la F1. Hein. Bon, Stéphane, c'est vrai que j'ai un peu malmené. Je suis désolé. J'avais une course à gagner, moi. Désolé, mais là, bon... Ah, je vais peut-être faire celle de 23h, mais c'est tenté. 27ème victoire en ligne sur Gran Turismo. Sur des centaines de courses, du coup. 150, je dirais. Ratio un peu faible, mais bon. C'est pas simple tout le temps. Bon, allez, je finis 23h, je fais celle de 23h aussi.